partager la vidéo. Que ça arrive à Nanga. Madi va être de où même? Je sais que Coco est de Nanga. Madi va être de quel village? On dirait qu'il doit arriver à Nanga. Arriver aussi au village de Coco. De Madiba. Madiba est dans quel village, s'il vous plaît? Notre queen. J'ai dit que notre queen, elle est de quel village, la diva? Quand elle prend le tabouret, elle s'assoit, je vais lui parler. Les gens qui viennent souvent écrire les choses, là, vous allez écrire, ça va glisser, je vous dis. Quand vous écrivez, là, vous savez que depuis que vous écrivez, ça ne change rien. Moi, je vais parler à Diva. Coco, toi, tu vas prendre les notes. Oui. Il y a les gens, les choses qui arrivent, que quand toi, tu regardes ça, tu dis que, yeah, on fait comment le genre si? Tu dis que, merde, on fait comment? De tout de suite, a priori, tu juges d'abord. Tu juges d'abord, c'est-à-dire que tu trouves que non. Tel a mal fait, ou tout de suite, tu prends position. Tu commences même seulement à agir. Est-ce que vous m'entendez même? Partagez le direct. Vous savez que là, j'ai déjà le nombre. Mon nombre, c'est 50. Ils sont là. Les 50 sont là. Donc, le reste, s'ils ne viennent pas, ça dérange pas. Je vais parler. Quand quelque chose arrive souvent, hein, mes fans, ma crème de la crème, tout de suite, dès que ça arrive, tout de suite, tu trouves qu'on a mal fait. Tel devait faire ceci. Tel, tu trouves tout de suite. Le jus de ça. Tu trouves tout de suite que, wow, ça veut dire quoi? Quelles sont ces manières? Tu juges. Parfois, tu te trouves en train d'insulter la personne qui a posé l'acte. Comme on dit souvent que la nuit porte conseil. Quand tu prends du recul, tu prends le mal en patience, tu tournes le problème dans tous les sens. Tu abordes ça différemment. Tu regardes ça à un niveau enlevé. Ce n'est plus vraiment la façon archaïque. Ce n'est pas comme l'affaire de Soukouat. Vous voyez, non? C'est grave ce qui arrive. C'est très grave ce qui est arrivé. Dans cette chicane entre deux sœurs. Grande sœur, petite sœur, c'est grave. Si nous regardons ça et nous rions, ce que nous ne sommes pas normales. Si nous regardons ça et nous ne disons aussi rien, ce que nous ne sommes pas aussi normales. Moi, je dis ça. Je parle, maman, et encore me rémanier. Coco va prendre le bic et noter. Et Diva va écouter. Ce qu'elle veut prendre, c'est qu'elle prend. Ce qu'elle ne veut pas, elle continue sa route. C'est comme ça. À chaque situation conflictuelle sur les réseaux, il faut toujours prendre les deux parties. Il faut prendre du recul. Il faut analyser de fond en comble. Vous voyez, non? De fond en comble. C'est très important. Oui, tu dis que Coco a dit d'effacer les voix. C'est que le voice est déjà parti, c'est parti. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il n'y a pas mort d'homme. Vous comprenez? Moi, je dis, comme Coco a dit, elle a fait les voix, elle a envoyé aux personnes proches. Et peut-être une personne proche a envoyé aussi à une autre personne proche qui a trouvé d'autres personnes proches et c'est venu nous trouver. À un moment, même quand on partage ça, ça peut plus se partager à deux personnes, c'est une seule personne. Donc, si tu veux partager à 10 personnes, tu vas faire le partage 10 fois. Tellement c'est partagé que c'est devenu impartageable, bon, c'est partageable individuel. Tellement c'est versé, wow. Nous avons tous regardé, nous avons tous eu la chair de poule, nous avons tous condamné. Surtout que hier, là, Coco avait 5 milliards de flèches sur elle. Lady avait peut-être les ouais, Asia, ou bien aussi les flèches, parce que ça dépend. Et chacun prend selon son angle à lui. Mais moi, je vais parler à la diva. Voyez-vous, dans une situation conflictuelle, il faut toujours regarder qu'est-ce qu'on a plus à perdre, qu'est-ce qu'on a plus à gagner. Il faut regarder le maillon faible, il faut regarder ce qu'on va laisser dedans. Vous voyez, non? Si quand tu finis de tourner le problème dans tous ses sens et que tu vois que non, moi là, il n'y a pas de problème, hein. Ça n'a qu'à verser, hein, c'est correct. Si tu es correct avec le versement, vas-y, lance-toi. Moi, je trouve que quand j'écoute les audios de Coco, Coco a mal. C'est un cri. Coco parle dans le inbox de sa sœur. Coco promet qu'elle va faire ci, elle va faire ça, elle va amener sur Facebook, mais elle ne peut pas amener sur Facebook. Il ne faut pas que
les gens commencent à prendre ça. Et tout ce qu'elle disait, elle dit, c'était les audios qu'elle envoyait directement à sa sœur. Mais je trouve que Lady a été ingrate vis-à-vis de Coco. Je dis ça haut. Si les fans de Lady veulent, ils viennent sur moi. Pourquoi je dis ingrate et peut-être méprisante? Parce que quand il y a une situation conflictuelle et que vous voyez quelqu'un, pas comme un maillon fait, mais quelqu'un qui a mal et qui s'exprime et qui donne beaucoup de messages d'un genre comme ça, il faut un peu aller vers lui. Ou quand tu vois que cette personne a les antécédents, parce que pour Coco, tout le monde dit qu'elle est comme ça, elle fait toujours comme ça. Mais il faut vous questionner que qu'est-ce qui la pousse à le faire? Pourquoi on arrive jusque-là tout le temps? Pourquoi quand il y a un problème, elle arrive jusqu'à ce niveau, cette Coco-là? Pourquoi elle ne s'arrête pas? Est-ce que les gens n'en abusent pas? Est-ce que c'est une valeur qu'elle a développée? Est-ce que c'est une éducation? Est-ce que c'est que elle, pour elle, tout doit aller bien? Dès que ça tourne tchakala, elle voit seulement noir et on verse. Est-ce qu'elle est de ce genre de personne? Et à partir du moment où tu as été averti par une personne, méfie-toi, fais attention. Les gens le faisaient que Diva, oh, comme tu avais elle là, ouais, elle va te cesser. Vous savez comment les gens sont. Les gens, oh, l'être humain change. Ce n'est que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et même pas le passé que Coco l'a fait, parce que Coco, c'est comme une, je vous avais dit ça ici une fois, c'est une patronne de chevronnée de clash. Vous ne pouvez pas avec Coco. Quand ça commence avec Coco, il faut que tu te positionnes bien, que tu sois prêt, que tu aies bien mangé. Parce qu'avec Coco, il faut même le. C'est-à-dire qu'il y a le soubassement de nourriture pour plan. Parce que quand elle s'assoit, qu'elle clash, elle n'est pas dans la dentelle. Ce n'est pas les pet-pet que les autres font. Il n'y a même pas son deux sur Facebook. J'ai dit que Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, tout mélangé. Quand sa tête a tourné, Kazok, ça tourne seulement. C'est comme ça que Coco fonctionne. Donc, toi, Diva, tu devais savoir que ma soeur qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de ma maison, qui me permet comment dire, d'émerger. Parce que comme vous voyez le business ici dehors, comme vous voyez tout ce que les femmes entreprenantes que nous sommes, qu'il y en a plein qui sont dynamiques, les femmes d'affaires. Vous voyez qu'il y a des femmes qui ont des projets à perte de vue, mais elles ne peuvent pas mettre où ce soit leur projet parce que il y a les enfants, l'école, le comme ci, le cela. Quand tu as la grâce que quelqu'un vient jusqu'à ce que elle, tu dors sur ton oreiller, tu peux, comme tu fais 6 mois, 1 mois, 5 mois, tu reviens, tu pars, tu reviens. Fais très attention. C'est Dieu même qui envoie ce genre de personnes dans ta vie. Faut qu'on a qu'à se dire les vérités. Oui, Coco, elle a clashé, elle a bavardé, elle a tout dit, machin. Mais elle laissait le message à sa sœur, Lady. Vous ne vous êtes pas posé la question que comment le message a fait pour sortir. Coco a donné sûrement le message à quelqu'un qui aime les problèmes et qui aime voir les gens se manger et qui a déposé dehors. Et quand ça tombe dans les gens qui aiment multiplier et faire écouter, allez, chacun s'assoit et l'écoute. Ceux qui aiment clasher vont s'asseoir et clasher jusqu'au lendemain. Mais est-ce que vous pouvez vous mettre les chaussures de Coco et marcher dans son chemin, dans ce domicile de Lady? Question. Est-ce que vous pouvez mettre les chaussures de Lady et comprendre ce qui a frustré Lady pour que Lady dise à Coco de partir, de venir prendre ses affaires? Question. Mais dans les voix de Coco, on entend un cri, on entend une parole, on entend un, je ne sais même pas comment je le dis, une sonnette et un avertissement aussi. Parce qu'il y a un mépris quelque part. Il faut, quand vous écoutez les choses, vous voyez, non? J'ai dit que hein, quand vous écoutez les choses, écoutez bien les choses. Vous supportez. Moi, je n'ai pas de problème avec Lady, c'est ma diva. Lady, c'est une diva, c'est une icône de la musique camerounaise. Elle ne mérite pas ce qu'on est en train d'écouter là. Mais elle n'a rien fait pour empêcher ça. Lady, c'est toi qui devais empêcher Coco de nous amener les pépettes comme ça sur Facebook pour nous faire te regarder dans un angle qu'on n'a pas besoin. Je m'en fous de ta vie privée, ma star. Je m'en fous royalement de ta vie privée. Si tu veux même, tu te couches qu'en route. On a entendu qu'il y a les voitures des bandits, de quoi, des trafiquants, de je ne sais pas quoi, à Montargis, vous montez, vous descendez. Je n'ai pas besoin de ça, Lady. Je t'aime pour ta chanson, j'aime ce que tu fais. That's it, that's all. Je dis that's it, that's all. Tu comprends? Et comme, que soit la version que Lady va nous amener, Lady elle savait que sa soeur Coco ne marche, ne porte pas les gants. Elle ne marche pas ses mots. Alors pourquoi pousser ce genre de personne à bout? Vous ne connaissez pas tuer le poussin dans l'œuf. C'est le genre que Coco te dit qu'elle va déménager ou toi-même tu veux dire que Coco déménage. Maman loue la maison, tu payes même 3 mois, Lady. Tu dis que petite soeur, grande soeur, tu payes 3 mois. Je dis que hein, tu payes 3 mois, Lady. Tu dis que maman, tu parles à la maison, tu l'aides à meubler, tu achètes le tableau qui va être au-dessus du canapé. Tu as oublié, tu fais l'épicerie, ma diva. Tu vas, tu l'accompagnes. C'est-à-dire que quand elle charge le camion le jour-là, tu prends 2 jours. Tu pars même chez elle, tu dors même 2 nuits avec elle. Et puis tu la déposes au bord et puis c'est fini. Tu dis que celle-ci-là, elle et moi, c'est fini, même jusqu'au paradis. Quand elle te voit ses petits vélos,
ma diva, est-ce qu'on a besoin qu'une grande icône de la musique, belle femme de ton âge, bien aiguillée, c'est-à-dire que même si tu dis que tu fais quoi pour changer ton corps, tu fais ça donne là. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tout ça sur toi? Moi, je me sens, c'est dégueulasse. La toile camerounaise pue, ça nous bat. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin. Et comme il y a les gens qui sont là seulement, qui attendent, ils sont aux aguets. C'est juste que dès que Coco envoie la personne qui envoie la personne qui envoie, bim, dehors. Maman, je dis qu'on ne peut plus forwarder les audios là. Quand tu envoies, tu n'envoies qu'une personne, c'est le travail. Tu vas envoyer à 10 personnes, tu vas envoyer 10 fois. C'est plus les audios qu'on regroupe parce qu'on envoie même à 5 personnes ensemble. Non. Pourquoi? Pourquoi? Même si elle n'a pas les moyens, Brenda, bon, ne loupe pas. Alors, parce que Coco a parlé jusqu'à dire que tu m'as même déjà donné 500 euros pour. Écoutez bien les audios. Ça veut dire qu'il y a un problème de je ne sais pas comment expliquer. Dans la vie, hein, maman, soyons donnés, ne soyons pas des personnes ingrates. L'ingratitude ne paye pas. C'est l'ingratitude qui pousse les gens à une colère irréversible. Le genre de colère que quelqu'un a la rage, le genre de merde. Vous comprenez ce que je dis là? L'ingratitude ne paye pas. Franchement, même si tous les fans de Lady Ella, 500 000 abonnés, 1 milliard d'abonnés viennent sur Coco, quand Coco dit qu'elle s'assoit sur quelque chose, elle s'assoit. Hein? Suzy, tu ne comprends pas qu'il n'y a pas une voix de la Lady, parce que Lady opte toujours pour le silence. Lady, c'est une femme que quand elle a fini de faire, c'est tu qu'elle fait son silence. C'est comme ça? Silence, là, ça fait qu'il n'y a plus rien, ce statu quo. Mais Coco n'était pas en train de faire pour balancer son. Coco envoyait à Lady. Coco parlait à Lady elle-même. Et maintenant, elle envoie à quelqu'un. Nous, on écoute, non? Je n'ai pas appelé Coco, hein, parce que je vous connais. Franchement, moi, je dis ceci. Moi, je dis ceci. Ma grande Vicky Love, si tu sais que telle personne que tu côtoies, c'est une personne qui peut détruire. Quand tu sens qu'il y a quelqu'un, l'affaire est en train de tourner. Maman, vous n'avez jamais vu des gens évincer les gens dans le ciel calmement, le genre que quelqu'un sort de ta vie, quand tu l'aperçois, tu dis que. La personne ne peut pas savoir comment j'ai fait pour l'enlever. La personne ne peut pas savoir comment j'ai fait pour l'enlever dans ma vie. Quelqu'un qui a gardé tes enfants. Quand le corona a pris tes enfants, il était là avec tes enfants. Quelqu'un qui. Ça dit que tu es en train de faire des voyages à Paris, à Dubaï, à je ne sais pas où, parce que les dieux partis partout ces années. Tu as lancé le collège, tu as lancé. J'ai vu le collège, le truc de musique, vous appelez ça quoi là. Tu as fait beaucoup de choses. Parce qu'il y avait des personnes qui ont donné le backup, entre autres Coco. Entre autres Coco. Vous allez vous asseoir, oui, elle est comme ça, oui, elle est ceci, c'est là, elle est comme ça, elle est c'est ça, elle est cela. Non. Ma diva, change. Change, diva. Je ne sais pas ce que tu as fait à Coco. Je ne sais pas comment ça, mais je sens que le torchon brûlait parce que Coco, la manière qu'elle expliquait, elle n'était pas à la maison. Elle est déjà partie, ou c'est que machin, elle est quand même la vidéo qu'on voit un peu sur les commentaires là, c'est comme si elle est revenue seulement, comme elle a la clé peut-être, et puis elle a vu que tout est en désordre, machin, fait ceci. Ce genre de personne, quand elle te dit qu'elle part, tu l'aides à trouver la maison. Comme elle dit que c'est les shows qui veulent donner l'argent, tu vois un show, tu dis que ma petite soeur va déménager. Le show, j'avais 6 mois de loyer par ce côté-ci. Le show paye d'abord le loyer là. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai dit que. Peu importe, parce que dans les choses, hein, Coco encore dit une chose pertinente, tu te tiens avec ses amis. Le président hypocrite de Ngoï, c'est l'ennemi de Coco. Quand tu sais, il y a que celle-ci, c'est celle qui lave mes enfants, elle fait tout à mes enfants. Quand tu vas les voir, ne cours pas trop, fais les m'as-tu vu, les ceci. J'ai ça en lacho. Sois sage, ma diva. Oh là là, tu nous chantes amitié, amitié. Bientôt, tu vas nous sortir la chanson de ceci aussi. Ben, nous, on a tous les chansons. Les chansons. Hein? Nous, on a tous les chansons. Moi, je n'accuse, c'est-à-dire que je dis qu'elle diva devait trouver. Ouais. Il y a les stratégies, non? Vous parlez même de quoi? C'est-à-dire qu'on veut t'évincer. Vous voyez le président de la République, là, les choses du gouvernement, là, qu'on va enlever quelqu'un, maman. Il est même à la dernière réunion, séance plénière. Il est à la réunion le lendemain, remaniement. Quand il rentre chez lui, seulement. Il y a d'autres, tu viens seulement au bureau, on te salit. Un genre de salit avec un genre de souris. Après, on recueille les choses, un genre. Tu vois seulement que les choses sont sorties de ta main d'un genre. Déjà, c'est-à-dire que quand tu te tournes, non, tu n'es plus au bureau, tu n'es plus. Les clés, on a changé les d'une façon subtile. Parce qu'elle a dit que c'est un nouveau copain de Lady ou c'est Togolais. Parce que quand tu écoutes les autres, il y a trop d'histoires. Vous comprenez, non? C'est un nouveau copain. Peut-être le nouveau copain est même venu, le sang n'a pas collé. Puisque Coco dit qu'il y a l'autre qu'on devait marier au Cameroun, si on sait quoi, machin, je ne sais même pas quoi. Peut-être elle a vu celui-ci, elle a dit que moi, là, celui-ci, je le sens pas dire, c'est trop. Peut-être elle a dit que non, petit, ça, tu exagères. Un exemple.
Et le sang n'a pas que le gars a commencé à dire que. Tu sais, quand quelqu'un vient derrière, qui sait qu'il vient s'installer, il va commencer à évincer les gens. Donc, Coco fait partie des gens qu'il a essayé d'évincer. Donc, vous vous asseyez seulement que oui, Coco est comme ça, machiavélique, a fait que vos gros mots que vous donnez aux gens, oh que c'est Dieu le jour. Vous allez arriver au paradis, vous allez voir Coco assise à côté de Dieu. Je dis Coco, la go assise à côté de Dieu. Parce que quelqu'un ne digère pas. C'est-à-dire, quand on lui fait, il est extra. C'est-à-dire que ça sort. Ça sort. C'est-à-dire que Coco, quand tu écoutes les voix, tu sens que Coco, c'est un cri. C'est-à-dire que Coco dit que hein, c'est bon. C'est bon, ne tente même pas de faire. D'abord, là où je suis, là, tu sais. Donc, Coco a accumulé, c'est ça. Si ce n'est pas ça que Lady nous donne pour elle, et comme Lady joue la carte du silence, il n'y aura rien. Et comme il n'y aura rien, ok, il n'y aura rien. Lady ne va pas faire de sortie. Elle va nous faire les posts, elle va nous écrire les choses. On connaît comment la diva fonctionne. On connaît comment la diva fonctionne. On a dit que c'est un Togolais. Moi, j'ai entendu que c'est Togolais dans les audios. Non, Dieu va faire nous la chanson. Amitié. Bon, là, maintenant, ça ne sera plus l'amitié. Ça sera une chanson de colocation ou bien quoi. Il y aura une chanson. Hébergement. Hébergement. L'Europe peut héberger. Il y aura une chanson d'hébergement. Et puis quoi encore? Franchement. Et vous savez que les amis, façon, comme elle disait là, tu te mets avec tes amis. Les amis, façon, il faut. Quand tu sais que vous êtes ensemble, c'est celle qui est ton derrière. C'est elle qui couvre ton. Parce que mine de rien, nous avons vu la protection, c'est-à-dire que naturelle et surnaturelle en vis-à-vis de Coco sur sa sœur Lady. Nous avons vu ça ici sur Facebook. Hein? Nous avons vu ça ici. Même quand c'était mauvais, je dis que même son amie Sikona, elle a déposé pour elle. Oui, elle a fait des posts, des ceci, des cela. Coco, nous avons vu ça ici. Donc son devant, même quand on a dit que boycott, je me rappelle, le dit que boycott que les Amé Kamé écrivait avec boycott comme ça, là, de Lady partout à l'Olympia, à l'Opéra, à Kanababaklo. Maman, c'était grave. Je vais te dire une chose, Suzy. La vidéo de la maison, on ne sait pas si c'est avant ou après. Parce que dans la vidéo de la maison, c'est comme, regarde, je n'étais pas là, regarde ce que c'est. Ça veut dire que peut-être depuis 2 mois ou 1 mois, elle n'est plus à la maison. Tout ça, c'est les analyses. On n'est pas sûr qu'elle a fait ça avant ou elle a fait ça après. OK? Tu peux aussi voir que comme les problèmes commencent à être forts, Coco aussi dit qu'elle a fait ci, il faut que je commence à mettre mes missiles. On ne sait pas. Hein? Je dis qu'on ne sait pas. Bonjour Abdelaziz, on ne sait pas. Non, la chanson arrive. Pour ça, ma Vicky Love, la chanson arrive. On aura une chanson qui va dire hébergement, oh, hébergement, quelque chose. C'est pour ça, et on va danser ça, ça rend doux. L'inspiration est là, c'est Dieu qui donne. Diva, inspiration de musique, Coco, inspiration de bouffe. Donner à César ce qui lui appartient. Coco, elle-même, c'est une artiste de bouffe culinaire. Cuisine camerounaise revisitée, depuis on voit ça, c'est bon. C'est joli, c'est beau, c'est photo, c'est ses photos. Hein. Elle ne copie pas les photos sur YouTube. Ah bah, fout tout ça. Elle les copie sur Google. Donc, chacun est bon dans son domaine. Bah, agréable chanson d'hébergement à Tchoum. Mais avant ça, ma diva, sois sage. Passe là, prends la sagesse. Ne fais pas que tu as ta petite, ta soeur, bon, petite soeur, grande soeur Coco à la maison, et tu es trop avec les gens qui ne sont pas ses amis, et vous filmez, vous comme ça, vous ceci, ou si tu ne parles pas subtilement. Sois sage. Et quand tu sens que ça veut déjà se gâter, j'ai dit que Coco, les dit que quelqu'un comme ça habite chez toi quand elle veut partir, même si tu sens que c'était à gâter, que les gens t'ont dit dehors que Coco a saboté, ou bien Coco a fait ceci dans ta maison, ou Coco t'a saboté, on ne sait pas, comme les gens parlent toujours, non? Les gens parlent toujours. Vous voyez, non? J'ai dit que les gens parlent toujours. Ma belle-sœur dit quoi? Je pense que les gens profitent de la réputation de Coco pour lui donner du tort. Je pense que la culpabilité est partagée, terriblement partagée, et beaucoup plus à Lady Gaga, Coco, parce que c'est Lady Gaga plus à perdre. Dans une situation, quand vous savez que vous avez plus à perdre, penchez-vous, pliez-vous, il n'y a pas de... C'est-à-dire l'humilité précède la gloire, il n'y a pas de honte à ça. À partir du moment où elle t'a servi, cette Coco a t'a servi, des bons et loyaux services, on a vu. Il faut arrêter. Et le message de Coco, qu'on n'est pas allé nous trouver sur Facebook, Coco parlait au quartier. Coco a parlé des oncles, des tantes, tout ça, c'est un audio qui était partagé de Coco, elle est dit au quartier, et peut-être certains gens de la famille. Franchement, c'est parce que Coco était de tout cœur avec elle qu'elle a évolué exactement le genre que tu étais avec Ngoumoui. Oui, quand tu donnes, c'est-à-dire qu'on dit quoi? Quand quelqu'un vient, vous comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un te donne, elle te sert, bon et loyal service, elle prend,
C'est-à-dire qu'elle se met à la brèche, comme on dit dans la Bible. Elle se met à la brèche. Les enfants, vous savez ce que les enfants en Occident font, le poids des enfants. Tu peux même décider que je veux voyager, je vais aller m'établir, je sais pas moi, en Jamaïque pour 12 mois pour faire telle affaire. À cause des enfants, tu ne bouges pas. Une femme vient, elle prend les enfants, l'école, oh, le ceci, oh, la nourriture, oh, le cela, oh, maman, maman. Et on connaît les faux profils. Hein. Vous allez vous asseoir, voilà les têtes de mort qu'on me donne déjà. Je n'insulte pas Lady, je n'insulte pas Coco, mais j'aurai les têtes de mort et j'en ai rien à foutre. Administrateur, si tu es là, tu me les bloques. J'en ai rien à foutre. Ça ne me donne rien. C'est juste que hier, j'ai mal dormi, je vous dis déjà sincèrement. Parce que la diva, c'est une icône. On n'a pas besoin de la salir davantage. Quand on commence à dire trafic des gens de Montargis, de drogue, de ceci, on ne sait pas ce que vous faites là-bas pour être riche ou pour avoir l'argent ou pour briller comme vous brillez. Vous pouvez m'aller toucher même les diables, les incantations, les cancans. Nous, on n'est pas dedans. Chantez seulement, vous nous donnons danse. OK? Organisez-vous avec vos vies et vos troubles. Nous, on ne veut pas savoir. Quand vous nous trouvez sur la place, ça salit le Cameroun. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand tu es comme tu dis qu'elle est camerounaise, on dit, hé, il y a les audios d'une femme là, on dit qu'elle est camerounaise, c'est ton pays, hé, maman. On te regarde un genre. Est-ce que c'est alors bien de filmer la maison de quelqu'un? Ma chérie, quand la guerre commence, il ne faut jamais arriver à la situation. Quand la guerre commence, ben c'est comme ça que vous êtes. Quand quelque chose arrive, vous prenez la partie qui vous arrange. Quand la guerre commence, tous les coups sont permis. Est-ce que tu sais ça? C'est éviter la guerre. C'est pour ça que j'ai dit à Lady Ponce, prends ton tabouret, assois-toi. Ami, évite d'en arriver là. Même si tu es diva, l'industrie tourne, la musique tourne, patron, agent, société, tout ce que tu veux. Chérie, évite d'en arriver là. Je dis bien, évite d'en arriver là. Je dis que évite d'en arriver là, Lady Ponce. Parce que tu as poussé Coco à bout, connaissant. Et comme Coco a cette étiquette, quand vous avez donné l'étiquette à quelqu'un, il vit avec son étiquette, elle s'en fout. À la fin de la journée, est-ce qu'elle se couche et dort bien? Oui, c'est que ça va. C'est que ça va. Vous comprenez, non? Et moi, je vous dis que le tort, non seulement le tort est partagé, mais il y a quelqu'un qui a plus à perdre. La personne qui a plus à perdre, c'est plus Lady que Coco. Pourquoi je dis plus Lady que Coco? Parce que Lady, c'est une icône. On va définir icône comment? Lady, c'est une patronne de la musique, c'est une reine, une déesse. Quand tu l'as vu qu'elle s'habille, mais cette fille, elle est comme les Michael Jackson de chez nous. Je mens. Si je mens, mettez les têtes de mort. C'est même quoi avec vous? Hein? Je mens. Il faut arrêter. On n'a pas besoin de tous ces éclats. Oui, oh, on va commencer à l'insulter. Machin, quelqu'un qui va venir supporter Coco va insulter, elle dit que machin, c'est Zéba, c'est frasque, amoureux, c'est. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de où elle va aller, pourquoi faire? Ça ne nous regarde pas. Quelqu'un qui va supporter aussi, elle va venir dire Coco, machiavélique, et puis quoi encore? Tout ça, le disque, c'est-à-dire que tout ça, c'est le Cameroun qui perd. Majabine, Cameroun qui perd jusqu'à le feu sort. Vous voyez, non? Je dis que le Cameroun qui perd jusqu'à le feu sort. Hein? Tu as compris, non? C'est le Cameroun qui perd. Quand vous trouvez un nouveau buzz, vous êtes content. C'est les gens qui se nourrissent de buzz, qui s'agitent, qui. Je dis que c'est grave. Si vous voyez les injures. Si vous voyez les injures. Merci pour les cœurs, mon fils Abdelaziz. C'est-à-dire que Lady n'avait pas n'importe quel appartement. Lady, c'est pas n'importe qui. Son appartement était quand même en étage. En France, là, où ça montagiste, où c'est où. Un appartement en étage, c'est donné, maman. C'est pas n'importe. Donc, on n'est pas en train de débattre. On n'est pas en train de dire aussi que Coco, c'était quand même manqué. Non. Elle peut même être chez Lady pour prendre son envol. Lady peut lui dire que je te donne de prendre ton envol, ma grande soeur, de redémarrer. Et Lady autant a besoin de Coco comme autant Coco. Donc, c'était un échange de services. Vous entendez ça comment? Échange de services. Parce que le soir, quand Lady était couchée au Cameroun, quand il y avait le confinement, on ne peut pas revenir en France, ou qu'elle est calée plutôt au Cameroun, elle n'a pas pu monter, ou qu'elle est calée, ou elle appelait Coco, dit que les enfants vont bien, ils sont partis à l'école, ils ont mangé, ils ont bu. Coco même dit qu'elle a fait le sapin de Noël aux enfants. Les enfants vivaient dans une maison avec une chaleur. Chaleur maternelle. Ça, là, c'est pas donné. Après, c'est gratuit. Hé, hey, Diva, tu dois seulement appeler même un des shows là. Tu dis que, papa, j'ai ma petite soeur, grande soeur, pardon, qui déménage. Pardon. Pardon. Tu es où là? Son loyer, c'est 1 000 euros. Je veux que tu payes 3 mois là-bas. Tu appelles un autre, papa,
J'ai ma soeur qui déménage. Je veux que tous les tableaux de son salon et de sa salle de bain, c'est toi qui t'en occupes. Tu la mets bien. Quand tu arrives à Paris, tu dis que tu es où? Elle dit que je suis à, je ne sais pas quel côté, là où elle est située. Tu prends ton truc, tu dis que je viens, on dort aujourd'hui ensemble. Eh, tu es couché là comme ça, mais quand tu la guettes, même elle connaît que maman, la fille s'est sortie de ma vie. Eh bien, si, Seigneur. Mais elles ne n'ont même pas comment tu as fait le système de ça. Pourquoi l'orgueil? Pourquoi la. C'est vrai que la gloire, la notoriété, quand on commence à avancer, ça nous donne. Parfois, ça nous fait prendre la grosse tête. Mais Lady, me dis la vérité, oh, tu ne pouvais pas arriver à ce niveau-là avec la fille-là. Franchement. Coco, c'est une artiste. Hein? Oh, laissez tomber là. Elle a là. Ça veut dire qu'elle, d'abord, ses assiettes. Toutes les photos qu'elle poste, c'est ses photos de ses nourritures qu'elle a fait. Elle n'a pas pris la photo quelque part. Nous voyons les cuisiniers ici qui présentent les assiettes, c'est pas terrible. Donc, on n'a qu'à se dire les vérités. Voilà. Elle cherche même les assiettes, les plats qui vont partir avec les couleurs et tout. Elle rehausse l'image du Cameroun dans les papilles gustatives. Qui ne chope pas? Qui ne chope pas ici dehors? Vous allez prendre vos mots machiavéliques pour l'étouffer avec. C'est quelque chose qui glisse sur elle comme le gris. Ça ne lui dit plus rien. Ça ne lui dit plus rien. Vous avez compris, non? Vous avez compris, non? Voilà. Tu aimes ta musique, elle est très méchante et sournoise. Je dis que Lady n'a pas bien joué cette affaire-ci. Coco est fâché en bloc. Il faut que les parents du village Nanga, que les gens de Nanga se lèvent pour calmer le cœur de Coco. Et quand on salit une icône comme ça met la bourse. C'est-à-dire, c'est comme on dit, c'est pas elle qu'on avait dit que. Et puis tu arrives même quelque part, tu entres, tu regardes quelqu'un, tu te dis qu'est-ce que Dieu est déjà arrivé chez lui ou pas. Dans ta tête, non. Ça fait seulement que maman, le Dieu qui est versé dehors, c'est déjà arrivé aussi ici. Tu n'amènes pas ce genre. Surtout que pour Coco ne part pas loin. Coco, non. Quand Coco avertit, non. Quand elle dit. Et quand les fans, là, vous les fans, je vais vous parler. Vous exagérez trop. Vous pensez que vous aimez Lady plus que les qui? Vous pensez que vous êtes comme ça, on n'aime pas les CD de Lady dans vos voitures. Vous là, quand vous mettez la musique chez vous, c'est sûr que vous ne dansez même pas Lady. Vous êtes fan, fan, fan pour commenter les choses et insulter les gens, envenimer les choses, oui. C'est vous là, les fans là. C'est vous les fans là. Vous aimez Lady plus que qui? Parce que quand vous faites ça, depuis hier que les audios sont dehors, que Coco m'a expliqué qu'elle pardonnait que les autres. Coco a fait les posts, parce que vous la poussez à bout. Seigneur, on va faire comment pour calmer les gens qui ont Internet gratuit? Les connexions de 25 francs. Vous êtes tout connecté. Vous êtes tout en train d'écrire les choses. Tout en train d'écrire pour que ça fait que. Non, 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 non. Je dis que hein, j'aime les dits, le feu sort. Je m'en ai travaillé là tout à l'heure. Ce soir, même si vous voulez, je mets la musique, je danse. Moi, j'aime les dits, bon. Elle chante bien. C'est comme notre Michael Jackson du Picossi. J'ai dit ça, oh, hein. Sauf qu'elle m'a dit, descends toujours dans la boue. Même dit qu'on met ça dans le compte de la fatalité, on n'a pas besoin de ça, chérie. On n'a pas besoin. Tu es déjà trop. C'est-à-dire que tu as une longueur d'avance. C'est-à-dire qu'elle dit, ouais, quand on fait trois pas, non, pourtant on fait 25 avant d'arriver là où tu es. Oui, un peu de temps, tu es devant, chérie. Tu es devant. Tu comprends, non? Ne fais plus, nous, on nous donne ça. Nous, ça nous fait mal. Nous, moi, ça me fait mal. De voir aussi Coco avec tous les bons et leurs servis dans cet état, moi, ça me fait mal. Coco, si elle avait fait ces messages, elle était venue déposer sur Facebook. J'allais ramasser Coco. Mais c'est passé par personne interposée. Je lui donne ça. Quelqu'un va dire que non, elle ment. C'est elle qui a fait. Je lui dis que non, elle m'a déclaré. Prenons les gens. Oh, nous sommes des adultes. Prenons les gens au mot. Coco dit, elle a envoyé à quelqu'un. Sûrement quelqu'un a envoyé au quelqu'un de quelqu'un de quelqu'un. Et le quelqu'un de quelqu'un et le quelqu'un de quelqu'un qui veut voir que la toile brûle. Il est parti nous déposer. Et vous connaissez, non, les faiseurs des directs sont ouverts, les directs, les audios ont commencé à passer. Les insulteurs sont venus insulter, les commentateurs, et c'est comme ça, ainsi va le buzz. Ainsi va le buzz. Franchement, franchement, moi je ne peux pas dire que Lady est méchante, mais je veux dire, Lady a manqué de tact. Lady devait être smart. Lady devait, c'est-à-dire que. Comment dire? Ils partagent ou partagent le direct de qui? Hey, ils vont dire que la messe, si on partage, elle aura les vues. Où les vues la donnent quoi? Je ne sais pas. Andy Graham, ça fait. Lady devait être smart. Lady devait tuer le poussin si dans l'œuf. Un poussin pourri comme ça. Vous connaissez? Même si elle vient démentir, même si on dit que non, Coco a menti, on n'a pas besoin de recevoir ça avant de venir démentir. Elle devait tuer le poussin dans l'œuf. Elle ne devait pas pousser Coco à bout. Vous voyez les poussins là que la poule commence à couvrir après, quand la poule couvre, après ça, le poussin se gâte et
sur le poussin qu'on soignait les maladies de certains enfants. Puis il y avait des enfants là que si on cherchait que le poussin là pour puger avec, parce que l'enfant faisait un caca, on disait qu'un caca bizarre qui ressemble au caca des oiseaux, je ne sais plus là. Maman, le chat, quand on casse l'œuf là, ça pue. Il devait tuer le poussin là-dedans. Mieux ça allait puer là-bas au village en Anga. Ya m'a dit, pourquoi tu n'as pas pitié de tes femmes comme ça? Pourquoi tu n'as pas pitié de tes femmes comme ça, Madiva? Pourquoi l'ingratitude t'appelle tantine comme ça, chérie? Pourquoi, Madiva? Nous, on t'aime. Quand on reste comme ça, Lady Ponce, quand tu te mets, c'est qu'on a, on appuie ta page, on voit une photo de toi, tu es debout comme ça, là. C'est comme la poupée. La poupée, t'as dit que même si on m'a dit que chirurgie, les autres ont commencé à insulter, elle a fait les seins, maman, t'as pas donne. C'est la poupée. Eh, ah, maman. Il y a feu. Non. Nadiva, tu nous donnes trop AVC. Toi, là, tu veux seulement qu'on prenne crise cardiaque, comme quand on supportait le match de tennis de, comment ça s'appelait, Serena Williams. Serena Williams savait qu'elle devait tout nous donner la crise cardiaque. Tu regardes Serena Williams, tu es seulement sur la chaise comme ça. Ou le match des Lions indomptables. Tu es seulement là. Maman, ton cœur fait toujours comme ça, comme ça, comme ça. Franchement, quand quelqu'un s'occupe de tes enfants, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, maman, prends-le comme l'œuf. Ça, là, c'est un conseil. Je dis, quand quelqu'un s'occupe, quand tu peux partir, prendre ta valise, aller à l'aéroport, partir, faire 6 mois, 8 mois, 1 an, quelqu'un s'occupe de ton enfant. Ne blague pas avec cette personne. Pour même te séparer d'elle, si tu as appris, peut-être les diables ont appris des choses qui l'ont choqué de coco. Gars, joue ça subtilement, gars. Demande la sagesse aux gens du village. On va te dire comment tu vas faire façon, façon, façon. C'est-à-dire que le jour que tu vas me l'accompagner, le jour du déménagement, non, tu portes les choses avec elle. Tu arrives même chez elle, tu laves. Tu laves, tu rinces, tu restes là. Je t'ai dit, tu laves, tu rinces, tu restes là. Tu dis que ouais, le tableau, si on va mettre comme ça. Tu dis un peu, tu regardes encore sa maison. Tu dis que ouais, la cour, sinon, il nous faut la tondeuse. Tu l'installes et puis tu go, fio, tu dis que la ngassi, tiens, vous encore, mais tu es dans ton cœur, non? Terminé. Tu ne débats avec personne. Ça se trouve, tu as parlé avec quelqu'un qui a parlé, ça allait trouver Coco. Et comme Coco aussi, par rapport, et comme tu es ami avec ses, tu vois un peu, tout ça là, ça fait comme, ça crée le froid. Et quand le froid s'installe, quand tu sens ça, tu ça dans l'œuf, ma diva. Tu ça. Coco, toi, prends notre chérie. Prends notre Coco. Quand tu t'adresses à ta soeur, que vous avez habité ensemble, vous avez mangé, bu, tu n'as pas besoin, même si elle t'a bloqué sur Facebook, parce qu'elle t'a bloqué. Tu voulais lui parler, tu as la rage. Tu sais que si tu arrivais à la maison, ça allait peut-être tourner en bagarre. Parce qu'il y a le genre de rage que quand quelqu'un a. Si tu tentes de faire l'erreur, maman, il commet l'irréparable. Je peux comprendre que. Bonsoir, ma chérie Rosine. Je peux comprendre que Coco, tu as vu ça ici. Le genre que si tu as été à la maison, tu allais même prendre seulement même un bâton pour taper tellement tu étais enragé. Donc, peut-être tu as même bloqué. Tu as pris un téléphone, tu as laissé les audios. Ah, verser, que ne tente pas. Tu étais enragé, je peux comprendre. Mais Coco, n'envoie pas les audios à quelqu'un. Parce que la personne à qui tu as envoyé de la personne qui a envoyé la personne, c'est la personne là qui voulait que ça brûle. Et maintenant, nous, les fans de Lady, et les fans de toi, parce que moi, j'aime ta cuisine, j'aime tes photos. D'abord, tu es une coco, tu es une femme bio. Moi, les choses qu'on dit Machiavel, tout ça, je ne suis pas dedans. Les choses qu'on dit que Matela est montée, je ne suis pas dedans. Donc, vous n'avez que chanter les noms. Les têtes de moi-même, je vous vois, je publie toutes vos familles avec vos enfants. Je ne suis pas personne. Ici, c'est mon mur. J'ai même trop d'abonnés aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, j'ai dit, oh, tu ne devais pas envoyer le message de ta soeur à quelqu'un. Mais dis la vérité. Pourquoi? Maintenant, tu ne connais pas. Oui, c'est sorti. C'est vrai, c'est les profondeurs. Parce que Coco, c'est une femme. Elle a l'impression. Quand tu la vois, tu vois que c'est une femme extravertie. Elle dit ce qu'elle pense. Donc, c'est sorti, c'est ce qu'elle voulait dire. Elle renchérit encore même. C'est ce qu'elle voulait dire. Elle ne se cache pas. Parce que d'autres vont dire que non, c'est pas ça. C'est que elle a même venu encore. Quand vous avez encore trop insulté, elle est maintenant venue nous sortir. Elle est ceci, elle est cela, elle est ceci. Moi, je suis en mode solution, hein, s'il vous plaît. Donc, les fans de Lady qui vont venir sur moi, je m'en fous. Insultez-moi jusqu'où les injures ne me font plus rien. C'est-à-dire que là où je suis là, non. À l'aube de la cinquantaine, maman, le 13 octobre, c'est plus loin. Donc, j'ai envie de traverser la corde. Donc, vous allez que m'insulter jusqu'à, je m'en fous. Mais les gens aussi, je vais m'adresser aux gens que dès que vous voyez un truc, vous sautez sur ça, vous commencez à insulter, vous commencez à raconter n'importe quoi. Vous n'avez même pas toutes les versions. Faites très attention. Ou vous jugez le problème dans le fond, avec toutes les versions. Ou vous prenez la forme, mais vous ne vous positionnez pas. Faites très attention. Parce que ces deux sœurs-là, ces deux sœurs,
deux sœurs dormir dans la même maison, soutenues. Coco dit qu'elle a fait l'anniversaire de Lady. Lady lui a jamais donné 500 euros. Ça, c'est très grave, Lady. Si tu n'as jamais, si tu n'es jamais resté comme ça, même lever 500 euros à Coco, avec toutes les cancans d'engagement que tu peux avoir, encore faut-il que ce que Coco dit soit vrai. Vous comprenez, non? Vous comprenez ce qu'elle dit là, non? Non, non. Les fans là devraient arrêter. Les fans, comme Lady a posté qu'elle a le concert, les fans doivent changer leur photo de profil, mettre le concert de Lady sur leur photo de profil. Les fans doivent, ce que les fans doivent faire, ils changent leur photo de profil, mettent le concert de Lady. Les fans doivent, qu'est-ce que je dis, les fans doivent faire d'autre. Parce que ce que les fans là sont en train de faire, c'est pas bien. Vous aggravez, vous insultez Coco, vous allez dans son mur, dans son ceci, ça la pousse encore à bout. Sachez que quand quelqu'un est déjà blessé, quand quelqu'un a mal dans sa chair, dans son être profond, quand quelqu'un a été trahi par la personne à qui il croyait le plus, faites très attention. Il peut commettre l'irréparable. Je dis bien l'irréparable. Faites très attention. Donc n'envenimez pas. C'est vous. Vous faites les posts, vous multipliez, vous la caricaturez, vous l'insultez. Elle, ça la met dans les boules et elle fait. Ça dit qu'elle commet ce qu'il ne faut pas. Elle a dit un truc. Tu m'as même pas donné 500. J'ai dit que mais. Elle a dit, tu peux même rester au pays comme ça, comme le cabaret est ouvert, ça a tourné, tourné. Tu dis que maman, prends les 2000 euros si bois ton champagne. Hein? C'est pas évident de trouver une femme qui va garder les enfants en Europe. Un an, deux ans, c'est pas hier. Hein? Non, mais allô, quoi. Avec les trafiquants de. On a dit qu'il y a les qui venaient à la maison. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Franchement. Bon, j'enlève mon chewing-gum. Comme tu dis que c'est la villageoisie, là. Tu ne te connais pas. Tu n'as jamais commenté dans mes directs. Tu ne fais pas partie de mes fans. J'ai enlevé mon chewing-gum. Mais je te bloque aussi en même temps. Parce que ce n'est pas comme ça. Tu n'as même pas dit bonjour, madame. Mon chewing-gum ne dérange pas. C'est ce que je dis qui est important. Namchou. Toujours El Chasta sur la toile. Toujours El chaque temps. Bon, ça peut être aussi le buzz, mais on ne peut pas aimer le buzz. On ne peut pas aimer le buzz comme ça. La reine Mébio bien dit, cette Coco faisait les messages à Lady. Elle n'est pas venue sur Facebook. Donc, quand on dit que c'est pour les vues, je ris bien. Oui, c'est pas pour les vues. C'est juste qu'elle a envoyé à quelqu'un qui a envoyé. Tu connais, non? Il y a les gens qui... Dès qu'ils prennent le message, ils disent, j'appelle. Déjà affairé. Oui, il y a une façon diplomatique, non? Un peu subtile. Donc, Jacques, hein? Allez. La poche KN, c'était sa vraie chère copine. Elle ne l'a jamais exposée. Elle l'a toujours protégée. Ariana, je ne dis pas que Coco a exposé Lady. Moi, je ne suis pas là. Mais la suite de l'affaire, oui. Parce que quand Coco fait maintenant les posts, ça, c'est Coco qui écrit. Mais c'est vous qui l'a poussé à bout. Vous, les fans de Lady, arrêtez un peu. Vous avez compris, non? Bon, moi, elle va aller travailler. Moi, elle venait vraiment donner mon temps. Je venais donner mon temps. J'ai enlevé la gomme, hein, monsieur. Mais je vais encore prendre la gomme. Parce que j'aime souvent mâcher la gomme. Ma boîte de gomme est là. Je vais encore prendre. Ça te dérange à quoi? Tu viens souvent dans mon direct. Désabonne-toi très vite. Tu as dit que je cherche les abonnés. Je suis balle, là. Voilà encore une autre gomme. Vraiment, ma beau, tu es la seule qui donne le juste. Tu es une personne n'est pas de parti. Oui, je ne suis pas moi dans les trucs de Team Bracatala. Une clause de confidentialité. Pourquoi lui faire signer? La vie était belle. Elles ont eu du bon moment, ces femmes. C'est dommage. Justement, elle a bloqué Coco. La colère est montée. Quand la colère monte comme ça, tu parles en voix. C'est la jeune femme réfléchie qui n'agit pas sous le coup de l'émotion. Alors, normalement, elle ne fonctionne pas comme les. Vous savez, il y a aussi des gens qui ont grandi dans les sous-quartiers. Ils avaient chuté avec ça. Les gens qui ont grandi dans les niems, dont les tabac. Tu vas voir, ça, c'est un peu eux là. Ramassis de n'importe quel saut. De but en blanc, vous tirez, vous êtes chaud. Il faut voir le cul. C'est-à-dire le background, c'est-à-dire que le cheminement de quelqu'un. Tu vois que celui-ci, son éducation, c'est valable, il ne pouvait pas être mieux. Là, même là, c'est son bien que tu vois comme ça. Là. Ce sont eux qui sautent comme ça, ils tuent les mouches, les abeilles, les faux profils, c'est eux. Les gens de tabac. C'est-à-dire que vous savez seulement aggraver les choses, faire que les gens peuvent se tuer, les gens peuvent se manger cru comme ça, c'est vous. Voilà. J'ai dit que des solutions, moi ici en mode solution, j'ai dit que Lady, prochainement, ne fais plus de l'ingratitude sur les gens. L'ingratitude de toi ne paye pas. Ne sois pas ingrate, sois reconnaissante. Parce que Dieu, quand il te bénit, si tu n'es pas reconnaissante, il risque de te reprendre tout ce qu'il t'a donné d'une autre façon.
Et toi, Coco, quand tu es choqué de ta soeur, quand tu as fini de lui faire le message, efface. Mieux, c'est ta soeur qui envoie ça dehors. Oui. Ça peut être que Coco a envoyé le message et Lady aussi a reçu et dit, regarde ce que celle-là m'envoie à quelqu'un et quelqu'un a balancé. On est comme ça debout, les gens. J'ai vu une photo sur un mur aujourd'hui. C'était même oui. Qu'on montrait Tupac avec ceci, cela, son manager, sont comme ça, sont ceci. Et c'est eux qui ont arrangé même sa mort. Donc autour de nous, là, c'est pas tout le monde qui veut te voir être terriblement marré comme moi. Hein. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut te voir être terriblement marré comme moi. Vous comprenez, non? Voilà. Pourquoi toi, tu n'as pas... Ah, oh, vraiment. Pourquoi garder ses enfants? C'est ça que je dis. On étouffe le poussin, non? C'est-à-dire, tu sens que là, tu appelles même ta personne. Tu dis que maman, la femme là qui était chez moi, elle me donne les problèmes. Elle se manque, gars. Gars, évince cela en solo. Tu vois, non? Et dès qu'il lui avait donné 2000 euros pour la maison, ah bon, hein, la bio, tu as une vraie valeur ajoutée. Ton intelligence, toutes tes analyses, toujours pertinentes et tellement différentes. Oui, je ne mélange pas. J'avais invité une pute au Canada. Elle-même, j'arrive sur elle. C'est parce qu'on est sur le buzz. J'arrive sur Ngoï. Elle a raconté comment ça a fait que quoi sur un direct il y a 2 jours. Là. Je reviens là-dessus dans quelques temps. Là. Mais pour le moment, je venais quand même donner mon point de vue. J'ai des fans là qui me disaient, mais la reine, mais on attend l'heure juste. Je suis ni pour Lady, ni pour Coco. Mais Lady. Prends ton tabouret, baisse ton ingratitude, prends les gens qui t'ont servi comme la valeur ajoutée. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui touche qui il veut pour mettre sur ton chemin, pour que tu avances. Et toi, ma fille Coco, quand tu veux parler à quelqu'un dorénavant, sache que les gens ont une étiquette de toi, que tu es machiavélique, quoi, quoi, là. Tu finis de donner ça, tu supprimes. Laisse que c'est la personne qui balance. De toutes les façons, tu as tellement d'arguments et tu es capable d'argumenter que si tu viens même en guerre, tu vas être capable de développer. Nous, on a vu tes clashs ici. Tu comprends, non? Nous, on a vu tes clashs ici. À l'époque, quoi, les Carole, quoi, machin, l'époque là, les clashs, pas même les vidéos, c'était les textes. J'ai témoigné. J'étais. Voilà. Vous comprenez, non? Bisous, la crème de Facebook. Partagez la vidéo, ça arrive jusqu'à Nanga. Oui, jusqu'à Nanga. Je vous aime comme le porc aime la saleté à Fokwe.